Le garçon a soudainement été pris de convulsions et a aboyé en classe. Ses camarades de classe se moquent de lui. Les enseignants ne l'aiment pas. Et même son père le maudit. Sa mère l'emmène chez le médecin et apprend qu'il est atteint d'une maladie très rare et incurable. Ce jour-là, lors du concert, il était toujours agité de soubresauts et de bruits étranges. Tout le monde se moque de lui pour son manque de savoir-vivre. Lorsque le directeur lui demande de monter sur scène devant tout le monde, il s'y rendit, craignant d'être grondé. Mais le directeur a expliqué la maladie du garçon à toute l'école et l'a encouragé. Les gens ont applaudi et le garçon s'est senti réchauffé pour la première fois. Il a regardé le directeur souriant et a ressenti le pouvoir de l'éducation. Il a envisagé de devenir enseignant à l'avenir. Par la suite, il est entré dans une grande université et a obtenu son diplôme. Cependant, il échoue toujours lors de ses entretiens pour le poste de professeur. Et les gens se moquent de lui et lui demandent comment il peut être professeur s'il n'est même pas capable de parler correctement. Après des dizaines d'échecs, il était dévasté. Mais il s'est ressaisi et a continué à passer des entretiens tout en travaillant sur un chantier de construction. Il a cherché toutes les écoles du pays sur une carte. Finalement, il a reçu une invitation d'une école.